Ça ne réparera rien, en fait. Les faits sont là, Tessa n'est plus là. Et à la fois, la vie continue. En tout cas, je le sais, je le mesure aujourd'hui. Donc forcément que j'étais heureuse hier, profondément heureuse. Un soulagement, ce sentiment que je vais... et nous, la famille, hein, son papa, moi et aussi nos proches, on va pouvoir lâcher prise. Ça y est, c'est terminé. Et à la fois extrêmement triste parce que... Parce que hier soir, j'ai appris que notamment la sœur de ce jeune homme subissait des menaces de mort. Et c'est ce que je craignais en fait. Et je suis une maman qui a perdu un enfant et je pense à ses parents et je pense à sa famille qui va subir tout ça. Et vraiment hier, j'étais profondément affectée pour ça parce que c'est tout sauf ce que je souhaite en fait. Je pense qu'il est grand temps que la page se tourne et que tout ça s'apaise en fait.